Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour. Jésus, dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, nous enseigne comment prier à travers le Notre Père. Il nous enseigne les étapes de la prière. Et la première étape, c'est de nous adresser à un Dieu qui est Papa, notre Père, qui est aux cieux. Reconnaître que Dieu est ton Papa. La deuxième étape, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier le nom du Père, c'est reconnaître vraiment cette vérité fondamentale. Il est ton Papa et le remercier de tout ton cœur, le louer parce qu'il est ton Papa et reconnaître tout ce que cela signifie pour ta propre vie. La troisième étape, c'est que ton règne vienne. Jésus nous dit que ce monde est tombé sous le pouvoir de l'ennemi à cause de notre péché. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique Jésus pour que son règne d'amour puisse venir dans ce monde. Prier que ton règne vienne, cela signifie « viens régner dans ma vie, viens régner dans mes actions, viens régner dans ma façon de penser ». Et comment est-ce que Dieu peut venir régner, sinon à travers son Fils Jésus-Christ? Lorsque tu accueilles le roi Jésus, eh bien, le règne de Dieu vient en toi. Que ton règne vienne dans ma vie, mais que ton règne vienne aussi dans ce monde. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes régner. Je reconnais que tu es un roi d'amour. Eh bien, je t'accueille pour que tu puisses régner en moi, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Fais de moi un instrument aussi pour que ton règne vienne dans la vie des autres personnes qui ne te connaissent pas. Prier le Notre Père, c'est nous adresser à un Père qui a un plan d'amour, qui désire régner dans ce monde, qui désire venir porter son règne d'amour, et nous lui demandons, Seigneur, viens régner. Cette prière, c'est aussi une adhésion de ma vie à lui. J'adhère à son projet d'amour. Viens régner en moi. Et alors, lorsque tu pries vraiment comme ça, tu lui permettras d'agir dans ta vie et tu vas te mettre à son écoute pour faire sa volonté. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.